Première journée du championnat de France de basket fauteuil. Affiche exceptionnelle, le Canet tenant du titre se déplace à Meaux, club tricolore le plus titré. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé le basket fauteuil et j'ai toujours entendu parler d'eux avec de très très belles équipes, de très très bons joueurs. On sait ce qu'on a à faire, mais on sait surtout qui on va rencontrer. Donc voilà, concentration et on y va. Nous sommes un club tout neuf, hein, puisque nous sommes montés au plus haut niveau en 2008. On arrive au plus haut niveau national depuis 5 ans, puisque depuis 5 ans, on a trusté, je pense, également de nombreux titres, qui fait que le Canet est certainement le club le plus titré de ces 5 dernières années. Allez, on se fait plaisir, les garçons. Allez, on sait ce qu'il y a au bout. À la mi-temps, les Hornets du Canet mènent de 9 points. Pourtant, les erreurs défensives sont nombreuses. Allez, on fait une bonne deuxième et puis on va se chercher. On peut, ok, on sait qu'on peut là. Maintenant, on a vu, on s'est jaugé. On est au-dessus physiquement, mais il faut qu'on soit pas en dilettante, qu'on marque notre territoire. Dans les 3e et 4e quart-temps, le club visiteur reste devant le CS Meaux et s'impose. Pourtant, l'entraîneur n'est pas complètement satisfait. La façon de jouer, c'est pas bien. Le nombre de balles perdues, c'est pas bien. À la fin, toutes les bêtises, les boulettes et les trucs loupés et les balles perdues, ça, c'est pas bien. On le sait. Ok, maintenant, on a gagné à Meaux. Des mots durs parce que c'est vrai qu'on était, voilà, on était venu là pour gagner. Si on m'avait dit hier qu'on gagnerait... un mot avec un petit écart, voilà, j'aurais signé tout de suite. Maintenant, après, il y a la façon de jouer. Je sais que mes joueurs sont capables de beaucoup mieux. C'est sûr qu'on n'a pas présenté le jeu qu'on aurait voulu présenter. Mais voilà, c'est un début et voilà, à nous de nous adapter et de proposer mieux la prochaine fois.